Waouh! Où sommes-nous aujourd'hui? Bien évidemment sur Nyanskriban! C'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Nyanskriban pour notre vidéo analyse. Voilà. Et aujourd'hui, nous parlerons des jeux vidéo. Jeu vidéo, qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un jeu vidéo? Ah! C'est que tu n'es pas de ce monde, on dirait. Un jeu vidéo. Bon, tout le monde sait ce que c'est qu'un jeu vidéo. C'est un jeu, mais qui se passe dans un monde virtuel. Voilà. Et un jeu vidéo est fait pour divertir, pour amuser, pour vous permettre de vous divertir, bon, pour évacuer tout ce que vous connaissez. Si vous êtes un peu, vous avez envie de vous relaxer, vous pouvez aller dans un endroit où vous pouvez tout simplement jouer à un jeu, ou bien si vous avez une console chez vous, c'est simple. Allumez tout simplement votre console et jouez à votre jeu préféré. Ou encore au jeu que vous désirez. Parce que là encore, nous devons savoir qu'il y a plusieurs types de jeux. Oui, il y a des jeux d'aventure, il y a des jeux de tir et aventure en même temps, il y a des jeux de course, il y a des jeux d'arcade, il y a des jeux de puzzle, il y a des jeux, il y a toutes sortes de jeux. Toutes sortes de jeux. On connaît plein de jeux qui existent déjà et sans doute vous, peut-être vous êtes un gamer. Quand vous jouez beaucoup à un jeu vidéo ou encore au jeu vidéo, qu'est-ce qu'on dit de vous? On dit que vous êtes un gamer. Voilà. Ça veut dire qu'en ce moment-là, vous êtes un grand joueur, vous passez beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quelque chose d'assez compliqué qui se cache derrière les jeux vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le diable a décidé tout simplement de se cacher effectivement derrière les jeux vidéo afin de pouvoir influencer les jeunes en particulier dans les mauvaises choses. Nang's Reborn. Ok. Qu'est-ce que c'est? Pour commencer, nous devons savoir que sur Nyans Reborn, nous faisons des témoignages puissants. Si vous êtes abonné, c'est que vous savez ce de quoi il s'agit. Même demain, il y aura un témoignage puissant de ce qu'on live, témoignage puissant. Restez toujours connecté. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur abonner sur cette vidéo et cliquez sur la cloche de la TV et cliquez sur j'aime également. Et dans les témoignages puissants là, nous découvrons des choses extraordinaires. Et moi, j'ai découvert un témoignage puissant. Et dans ce témoignage puissant, une personne a reçu des révélations venant de Dieu lui-même. Et ça parlait des jeux vidéo. Cette personne nous a dit qu'il y a certains types de jeux qui conduisent forcément à l'enfer. C'est-à-dire que ce sont des jeux où le diable a pleinement sa présence là-dedans. Et si nous posons la question de savoir, mais qui fabrique les jeux? Qui fabrique les jeux vidéo? Les jeux vidéo sont fabriqués par des hommes. Ce sont des humains. Mais les humains peuvent être influencés par deux esprits. Soit l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Est-ce que vous voyez? Et quel est le résultat quand l'homme est influencé par l'esprit du diable? Le résultat est que cette personne va se mettre tout simplement à faire les choses qui plaisent à Satan et qui déplaisent à Dieu. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir que dans certains jeux, vous allez retrouver les choses que nous allons citer ici. Premier élément, la violence. Vous allez voir que dans certains jeux, on tue beaucoup et le sang coule à chaque fois. Tu ne peux jouer à ce jeu-là sans tuer quelqu'un. Vous savez de quoi il s'agit. Voilà. Toutes les versions des images qu'on a, nous allons les analyser ensemble. Donc, ces jeux-là existent. Il faut faire attention.
Premier élément, le jour où vous trouvez l'action. Deuxièmement, le jour où vous allez trouver la publicité ou encore la promotion du sexe. Ah, tu vois que dans le jeu même, dès que tu appuies sur play, bon, tu entres dans le jeu, tu vas voir que la première image qui va te frapper, ça sera une fille qui sera en bikini, c'est-à-dire en string, excusez-nous pour les jeunes, en string et en soutien uniquement. Comme si elle se trouvait sur la plage. Là, tu vas te dire, mais bon, peut-être que c'est tout sur la plage, mais frère et soeur, c'est pas normal. C'est le comportement que les gens ont de se retrouver sur la plage tranquillement. Dieu n'approuve pas ça. C'est le moment de vous réveiller. Quand vous habillez comme ça, vous séduisez le monde entier et ce sont des péchés que vous accumulez sur vous. Donc, ça veut dire qu'en ce moment-là, tous ceux qui vont commencer à jouer à ce jeu et qui vont tomber sur cette image seront en train de pécher parce que quand tu vas regarder cette image, ça sera tellement bien fait que toi-même, tu seras tellement attiré. Il y a certaines personnes qui vont se souvenir qu'ils se masturbent, vont aller se masturber. Et là encore, c'est un autre péché. Ah! 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 Deuxième élément, c'est quoi? La séduction. Le sexe. Voilà. Un jeu où on voit le sexe. Même on peut faire le sexe à l'intérieur. De toute façon, les images seront là. Vous allez voir la vie ensemble. Ne vous inquiétez pas, restez connectés. Si vous voyez un jeu pareil où on y a du sexe, on peut même faire le sexe à l'intérieur, ce sont des signes qui ne trompent pas, qui montrent qu'effectivement le diable n'est pas loin. Ou encore ceux qui ont fait le jeu ne sont pas loin d'être des satanistes ou encore inspirés par le diable. Troisième élément, les symboles occultes ou encore les symboles sataniques. Si vous voyez dans un jeu des symboles sataniques, c'est que ce jeu-là est déjà pollué. C'est pollué. Ça veut dire que le diable a déjà sa présence grave dans le jeu. Parce que c'est pas un hasard que vous voyez des trucs pareils. On peut pas faire un jeu et puis mettre un symbole du diable, des symboles du diable dedans pour rien. Et vous allez dire que c'est un hasard. Non. Pas de hasard. De toute façon, nous allons vous montrer des images qui sont tirées d'un jeu, même d'un jeu populaire, et vous serez surpris. Peut-être que vous jouez à des tels jeux, ou bien vous avez rencontré de telles images, vous ne savez pas ce que ça signifie. Aujourd'hui, nous allons comprendre, découvrir ensemble ce qui se cache derrière les jeux vidéo, la face cachée des jeux vidéo, ou encore la présence du diable derrière les jeux vidéo. Et nous vous disons en même temps, si vous jouez à un jeu, et que vous sentez que ça commence à vous influencer même dans la vie réelle, évitez, ce sont des conséquences. Un homme jouait à un jeu de GTA un jour. Il a tellement joué jusqu'à, il a décidé de reproduire ce qui se passe dans le jeu, dans la vie réelle. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait voler une voiture et il a tué quelqu'un. Et il s'est mis à courir pendant que la police le poursuivait. Et il criait à haute voix, mais pourquoi me poursuivez-vous? La vie, c'est un jeu. De toute façon, tout le monde meurt. On finira par mourir un jour. Donc, s'il est mort, il n'y a pas de problème. Voici ce que ça donnait. À cause de ça, dans le pays où cet homme était, ils ont décidé de suspendre la vente de ce jeu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, de toute façon, nous sommes là, ici. Nous allons découvrir des choses qui vont vraiment nous étonner. Soyez prêts mes frères et sœurs, ça va être chaud. Nous sommes dans une vidéo analyse et nous allons découvrir des choses vraiment, vraiment bizarres. Ça risque même de vous faire peur, de vous étonner. Même vous allez vous dire, mais ah, comment se fait-il que je joue à ce jeu-là depuis très longtemps, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Bon, d'abord, de toute façon, nous sommes prêts. Ok, nous sommes en position, nous allons maintenant regarder la première image. Regardez vous-même à l'écran. C'est parti. Regardez. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des choses bizarres. Sérieux? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand on zoome, on peut voir des créatures du monde des ténèbres. Ou encore des démons. C'est comme ça que ça s'appelle. Ces créatures qui sont là ne sont pas censées être de notre monde. Mais vous allez sans doute vous poser la question de ça, mais
que font-ils ici? Mais et te faut-il dans un jeu? Mais c'est le jeu que tu joues, tu as l'habitude de jouer à ce jeu, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Ces créatures que vous voyez à l'écran sont censées représenter des personnes décédées ou encore des démons. Mais pourquoi les humains décident-ils de s'amuser avec les démons ou de tirer sur eux? Si c'est un jeu de zombies, tu vois que celui-là même qui tient la manette va passer tout son temps à tirer sur les zombies. Qu'est-ce que vous faites? Hey! Et c'est un jeu que vous jouez certainement. Vous voyez qu'ils peuvent, les gens vont créer, les créateurs de jeux vidéo vont créer des jeux où vous mettez un mode zombie et vous allez tout simplement aller jouer le mode zombie. Or, si vous allez, en ce faisant, vous êtes en train de commencer à faire quoi? À vous familiariser au démon, n'est-ce pas? Voilà. Là, ne soyez pas surpris qu'un jour vous visitez dans votre sommeil un jour. En tout cas, ne soyez pas surpris. Si vous jouez à un jeu de zombies et vous commencez à avoir des cauchemars, toutes ces histoires, évitez-le. Qu'est-ce qu'on voit ici maintenant? On peut voir un homme. Et cet homme-là a une pioche. Et de l'autre côté, on voit encore une autre femme. Et c'est qui cette femme-là? Elle est censée représenter un mort. Elle est censée ressembler à un mort vivant. Encore. Ah! Vous ne vous posez pas la question de ça, mais pourquoi à chaque fois dans les jeux vidéo, on représente des gens qui sont décédés? Ou encore des morts vivants, des fantômes, des choses qui font peur? C'est parce que le diable est présent là. Et le diable veut se faire adorer. Il y a certains jeux où le diable est présent, là, on vous l'a dit. Et lui, c'est une manière pour lui de se faire adorer. Et quand il est présent dans un truc, il a forcément des signes qui montrent sa présence. C'est pourquoi vous allez forcément voir qu'il y a des choses qui ressemblent à Satan. Et cette créature que vous voyez même à l'écran ici, là, c'est censé représenter qui? Selon vous, c'est censé représenter qui? C'est quel démon qui a l'aspect d'un squelette? En même temps qu'il tient une pioche dans la main. Ou bien une hache. Voilà, une hache. Comment s'appelle-t-il ce démon-là? Là, nous savons que c'est un démon. Mais il dit comment s'appelle-t-il? Laissez ta petite commentaire. On compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Ok, laissez le stylo. Arrêtez de taper sur le clavier. D'accord. Ok, bien, cet ange-là même, ou encore ce démon-là, qui ressemble à un squelette et qui tient une hache ou une pioche dans la main à chaque fois, est appelé l'ange de la mort. Oui, ou encore cet esprit même qu'on chasse à l'église, qu'on appelle l'esprit de mort là. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, non? L'esprit de mort, voilà. Esprit de mort que vous chassez à l'église, voici ce à quoi il ressemble. Il ressemble à ça. Ce personnage que vous voyez ici, c'est lui qu'ils ont vu, c'est-à-dire ceux qui ont conçu le jeu ont vu, et ils ont tout simplement représenté dans le jeu. Maintenant, vous jouez à ce jeu-là sans savoir que vous êtes en train de jouer avec quelqu'un qui est censé être méchant, qui est censé être celui-là même, qui peut même vous tuer. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire, mes frères et sœurs, il y a des choses que vous ne savez pas. Vous ne savez même pas ce que ça signifie. Mais comme tout le monde le fait, vous aussi vous êtes dedans. Oh, saute, on fait comme ceci, on fait comme ça. Oh, cette créature qu'elle est là, elle se représenter un démon. Et vous allez voir en ce moment là, physiquement, les humains qui aiment beaucoup ce personnage là vont se mettre à faire des costumes en l'honneur de ce personnage. Même
les gens vont aller se... Oh, vous n'imaginez pas ce qui se passe après. Hein. Après, quand les gens sont accros à un personnage de jeu vidéo ou un personnage d'un film, ils veulent tout faire pour ressembler à la personne. Ils vont maintenant aller porter de ces déguisements bizarres là. Oh non, Dieu sait ce qui se passe. Pour ressembler exactement à cette créature. Mais quand tu fais ça là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que tu aimes la personne. Mais la personne que tu aimes là, ce n'est pas un homme, c'est un démon. Et c'est censé, il est censé appartenir à Satan. Ou encore, c'est censé représenter Satan là. Ça veut dire que c'est le diable lui-même que tu es en train d'adorer sans le savoir. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire, si vous êtes dans ce genre de choses, c'est le moment d'en sortir. Parce que le diable est présent aussi dans le jeu vidéo. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une personne qui est là, tranquillement, mais on a l'impression que c'est un mort vivant. Pourquoi on dit ça? Regardez son visage. Est-ce qu'un homme naturel peut avoir un tel visage? On a l'impression que c'est l'esprit de mort qui est entré en elle. Regardez comment elle est. Et on a l'impression que c'est Halloween. Puisque on voit ce petit truc qui est là. Ça, posons-nous de vraies questions. Est-ce que vous savez l'origine d'Halloween? Est-ce que vous savez ce que c'est que Halloween? Est-ce que vous savez qu'il y a un calendrier qu'on appelle le calendrier satanique? Le calendrier satanique là, c'est un calendrier respecté par les... C'est-à-dire ce sont des dates qui sont là dans le calendrier qui sont respectées par les satanistes. Et quand il y a de telles cérémonies ou encore des choses qu'on appelle Halloween, tout ça là, des sacrifices humains qui sont faits. Maintenant, quand le jour d'Halloween vient, toi tu ne sais pas. Toi si tu te dis que c'est Halloween, tout le monde fait, tout le monde s'habille comme ça, en costume. Mais, et puis toi si tu commences à t'habiller exactement comme ça, encore. Quand tu t'habilles comme ça et tu suis un tel mode de vie, sans le savoir, tu es en train d'adorer aussi Satan parce que tu fais exactement ce qu'il aimerait que tu fasses. En plus, tu t'habilles comme quelqu'un qui est laid pour faire quoi? Effrayer les gens. Il y a des choses qui sont vraiment visibles. Mais vous ne savez pas encore. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire, mes frères et sœurs. Ah! Hey! Si vous ne savez pas ces choses, aujourd'hui, Dieu nous ouvre les yeux. C'est pas tout. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que cette créature qui est là, si vous voyez cette créature de la vie réelle, vous allez vous arrêter pour jouer avec elle? Hein? Hein? Regardez-moi bien! Vous allez fuir! Si tu n'as pas fui, il faut me dire que tu n'as pas fui. Tu vas fuir! Toi qui viens là, tu dis non, tu vas fuir! Mais regarde, c'est un démon! Et il y a ces genres de créatures qui sont représentées en général dans les jeux vidéo existent dans la réalité, dans la vraie vie. Ces créatures-là existent, mais pas sur la terre, mais dans le monde des ténèbres. Même quand ils viennent sur la terre, ils sont invités, vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux physiques. Il faut forcément les yeux spirituels. Et ces créatures-là, nous les connaissons. Nous savons qui elles sont. À cause de qui? Les jeux vidéo. Parce qu'il y en a plein dans les jeux vidéo. C'est comme quelqu'un m'a dit qu'on joue avec ces créatures-là même dans les jeux vidéo. Et pour nous, c'est normal. Nous, on s'est dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas de problème. C'est ce que le diable veut que tu te dises qu'il n'y a pas de problème, c'est normal. Tu sais que quand cette créature-là va maintenant apparaître dans ton sommeil, tu vas te familiariser à cette créature. Du coup, tu seras en train de comprendre les démons, aimer, commencer à aimer les démons. Voilà. Même dans le jeu, tu vas aimer ces démons. Tu vas aimer ces démons carrément. Tu te parles de quelque chose, regardez. Regardez-vous-même. Posez-vous de vraies questions. Posons-nous de vraies questions. Comment les gens font-ils créer de telles choses? Ceux qui créent les jeux là, ils savent clairement que aujourd'hui les gens aiment des jeux vidéo où on tue beaucoup, où on fait du mal. Vous savez pourquoi? Les humains sont attirés par les jeux où on fait du mal. C'est parce que l'homme, par nature, est plus attiré vers le mal que le bien. C'est pourquoi ça se passe ici. C'est pourquoi ça se passe ici. Ha! Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, faites attention. C'est mauvais. Il faut apprendre à dominer ton
ton mauvais esprit. Le mauvais côté qui se trouve en toi là, il faut le dominer parce que c'est un démon qui est là. Il faut le dominer. Oui. Et pour apprendre à le dominer, il faut déjà commencer à te débarrasser de tout ce qui l'élève de ta vie. Ou bien lui donne beaucoup de pouvoir. Si c'est un jeu vidéo, tu sais ce qui te reste à faire. Regardez encore. Regardez. Là, qu'est-ce qu'on voit? Ça encore, tout ça, c'est dans un jeu vidéo. On voit une femme qui est en pantalon. Pour nous, tout devient normal. Et ici, on voit une femme qui est tout simplement habillée de façon sexy. Et on la prend en photo. Voici. Ce sont des choses que nous découvrons en général dans les jeux vidéo. Regardez encore. Ça, c'est une image de ce qui se passe dans un jeu vidéo connu. Et dans ce jeu vidéo-là, on fait le sexe. Tu peux coucher avec quelqu'un. Tu peux avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Ça rappelle quoi? Le sexe. On vous a dit à l'introduction. Ah, si vous retrouvez ça quelque part, faites attention, le diable n'est pas loin. Regardez encore. Ça, c'est quoi? C'est qui se trouve sur ce vêtement? Ce personnage que vous voyez même là est censé être dans un jeu vidéo. Sur le décor, la décoration, tout ça, l'image 3D. Bien sûr que oui. Mais ce qui est sûr, c'est que sur son vêtement se trouve clairement là une marque satanique. Et cette marque est là. Si vous avez regardé la vidéo analyse précédente, vous savez ce que c'est. C'est une marque utilisée par les satanistes lors de ces rituels. Et cette marque est là, franchement, c'est l'une des marques les plus dangereuses. Même pour la dessiner sur le sol, pour faire les rituels, parfois c'est un tue quelqu'un ou bien eux-mêmes ils versent leur propre sang. Et ils utilisent leur propre sang là comme une peinture pour faire ça. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Et pourquoi ça se trouve dans un jeu vidéo que vous allez aimer, que vous allez apprécier? Posez-vous de belles questions, posons-nous de vraies questions, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, ah, c'est pas de la blague. Regardez encore ici, quand on parle de sang, de la violence. Ça encore, c'est un autre jeu vidéo. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais il y a la violence. On voit partout une atmosphère apocalyptique. On voit le même les gens sont morts. Regardez, il y a le sang même à terre comme ça, sur le sol. Et un homme bien armé pour tirer. Mais si vous passez tout votre temps à jouer à un tel jeu vidéo où on tue les gens, et que vous n'êtes pas formé d'esprit, un jour, les démons vont entrer en vous. Les démons que vous avez accumulés en vous en jouant au jeu vidéo de violence, ils vont tout simplement entrer en vous et vont vous pousser à faire quelque chose de grave que vous allez regretter plus tard, mais ce sera plus tard. Oui, mais ça sera plus tard. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire, si vous n'êtes pas informé, réveillez-vous. Regardez encore. Qu'est-ce qu'on voit ici? Un autre personnage. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais même pas. Est-ce que c'est l'homme araignée? Est-ce que c'est l'homme squelette? Je ne sais même pas. Simplement. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière, il y a des personnes qui sont là comme morts. Ah! Si vous faites jouer à un jeu où on ne fait que tuer les gens, c'est que c'est l'esprit de mort qui est en train d'être mis. C'est-à-dire, ce témoin de la mort là, qui est en train d'être glorifié. Parce que c'est lui qui aime tuer. Et c'est le diable qui est en train d'être élevé en même temps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Mais bien sûr que oui. Faut comprendre. Regardez. Si tu ne comprends pas bien là, c'est que nous sommes en train de te dire là. Regarde toi-même ici. Tu penses que les deux personnes qui sont ici là, ces deux personnes là vont jouer au football? Ou bien ces deux personnes vont manger du hamburger? Ces deux personnes qui sont là sont censées tuer les gens, attaquer, et ils sont cagoulés. Ça veut dire qu'ils sont censés être des criminels. Et ils ne veulent pas se montrer, ils ne veulent pas qu'on voit exactement qui ils sont. Oui, ces deux personnes ne veulent pas qu'on voit qui elles sont. Ça veut dire qu'en ce moment-là, les choses deviennent graves.
parce que là, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Même si c'était un criminel qui vient s'entraîner sur le jeu vidéo, comment on va faire pour aller faire le braquage de tel jeu? Donc, ok, comme on n'a pas toutes les stratégies, allons jouer un jeu vidéo pour voir comment ça s'est passé là-bas pour représenter cela dans la vie réelle. Ah, mais bien sûr que oui! Si c'est de la blague, renseignez-vous. Je vous parle de quelque chose, mes frères et sœurs. Je vous parle de quelque chose. Faites attention. Tout se passe dans la tête, n'est-ce pas? Quand vous voulez faire un truc là, qu'est-ce que vous dites? Vous réfléchissez d'abord. Aujourd'hui là, les gens ne se fatiguent même plus pour réfléchir. S'il a envie de réfléchir, il va jouer à un jeu vidéo. Et là-bas, il laisse le jeu réfléchir à sa place. Et tout ce qui se passe dans le jeu, c'est ce qu'il vient représenter dans la vie réelle. Ah, c'est là même le danger. Un jour, des gens pour passer toute leur enfance à jouer à des jeux vidéo où on tue les gens seulement avec les armes, sont, j'allais dire, deux personnes comme ça, tout, il dit deux ou trois. Ils sont entrés dans ces centres commerciaux avec des armes comme ça. Oui, des armes comme ça. Et ces deux personnes se sont mis à tirer sur les gens. Comme si c'était un jeu. Ces deux personnes ont commencé à tirer. Wow, tirer sur les gens. Dans un jeu là, si tu tires sur un personnage, le personnage peut mourir. Mais comme c'est un PNJ, il va revenir après. Même tu peux appuyer sur réplique. Mais si tu tues quelqu'un dans la vie réelle ici, il est mort. Il est mort, hein. Il ne revient plus à la vie. Ah, là tu vas comprendre que, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, il commence déjà à injecter des trucs dans nos esprits, dans les esprits des gens, dans les esprits de chacun de nous, afin que ces choses-là commencent à prendre forme en nous, de sorte que devenu grand, ou que plus tard, on puisse prendre des décisions qui seront en conformité avec ce qu'on a reçu dans les jeux vidéo. Ah, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Et laissez-nous vous dire que à cet jeu-là, quand vous jouez à cet jeu, ce qui se passe, c'est que ça commence à créer en vous des émotions, des sentiments bizarres. Même vous pouvez être excité. Et cette personne, quand elle joue à un type de jeu, elle vous directement, elle a le besoin de se masturber. Oui! Oui! Oh, la masturbation, c'est un péché. Comment tu peux jouer un jeu et puis ça va susciter en toi le besoin de pécher ou encore de te masturber? Comment ça se passe? Mais qu'est-ce qui est caché derrière? Nous devons vous dire, mes frères et sœurs, nous devons vous dire la vérité. Si un jeu est conçu par un satanique, il va forcément invoquer les démons sur son jeu là. Ou des démons dans son jeu là. De sorte que comme vous serez en train de jouer, ces démons vont commencer à entrer en vous, dans votre esprit. Et ils vont chercher à vous dominer ou encore à prendre le contrôle total de tout ce que vous faites, de votre esprit, de tout. Et même essayer de vous influencer. Parce que le diable, il aime bien contrôler les gens. Il veut contrôler l'humanité. Il veut savoir ce que vous faites. Il veut vous pousser à faire même des choses que vous n'avez même pas envie de faire. Mais comme il ne peut pas le faire facilement, il va forcément vous laisser vous-même prendre cette décision-là de venir vers lui. Il va vous attirer. Il va vous attirer. Et quand il sera en train de faire ça, vous, puisque vous avez l'habitude de jouer à un jeu vidéo où on fait telle ou telle chose et que vous aimez bien ces jeux, ça va ouvrir la porte de votre cœur. Une fois que la porte de votre cœur est ouverte, les démons peuvent entrer, le diable peut travailler et même injecter dans votre esprit de mauvaises pensées, de mauvaises idées. C'est en ce moment-là que
les gens vont traverser des problèmes graves dans leur vie. Et au lieu de chercher Dieu, il faut maintenant penser à avoir de mauvaises pensées. Même penser à se suicider. Ah! Si il y a longtemps vous êtes abonné sur notre chaîne, sans doute vous avez vu cette vidéo que nous avons faite. Et dans la vidéo là, on voyait une femme. Elle était violée par, je pense, son ex. Si je me trompe pas, son ex. En tout cas, elle était violée par quelqu'un. Elle a 19 ans. Cette personne était son ex. Et quand elle a été violée là, ce qui s'est passé, c'est que ce dernier a filmé la scène et l'a posté sur les réseaux sociaux. Quand ce dernier a posté cette histoire sur les réseaux sociaux, elle s'est sentie victime. Elle s'est sentie sale, je dirais même plus sale que ça. C'est alors qu'elle a décidé de faire quelque chose qui va marquer l'humanité. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle avait beaucoup d'abonnés. Elle avait beaucoup de personnes qui la suivaient. Ce qu'elle a fait, c'est que elle est allée tout simplement. Elle s'est connectée. Elle s'est mise en live. Et elle a regardé ses abonnés. Elle a dit: je vous aime beaucoup. Mais voici ce qui vient de se passer. Je veux que vous partagez cette vidéo au maximum. Et je veux que le message passe. Après ce live, je me suicide. Elle a dit qu'après cela, elle allait se suicider. Pourquoi? Elle dit parce que je m'étais violée par quelqu'un et voici ce qui s'est passé. La vidéo se retrouve sur Internet. Franchement, je ne peux plus vivre avec ça. Il faut que je fasse quelque chose. Pendant qu'elle était en live là, elle a même laissé le live. Et elle est sortie. Quand elle est sortie de l'endroit où elle se trouvait, il y avait un train qui se préparait à passer. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle allait carrément se positionner devant le train. Et elle lui dit: viens me prendre! Est-ce que le train va s'arrêter? Le train ne peut pas s'arrêter. Dans un jeu vidéo là, si le train est passé sur toi, ils vont mettre Wasted. Ou bien, tu es mort. Ou bien, Game Over. Mais dans la vie réelle, qui m'a mené ici Game Over? Personne! Ah! C'est comme ça qu'on règle les problèmes aujourd'hui. Toi, c'est comme ça que tu règles les problèmes. Tu as réglé les problèmes en te suicidant. Ah là 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 là. Tu sais qui va rire? Le diable. Quels que soient les problèmes que tu as dans la vie, ne cherche jamais à péter la vie. On peut te donner la mort. C'est pas parce que tu. Il n'y a plus de jeux vidéo comme ça que les gens jouent. Et ces jeux vidéo-là sont censés créer de tels sentiments en l'homme au point où les gens décident de sauter la vie, de se donner la mort. Ne le faites pas, mes frères et sœurs. Ne le faites pas. Faites attention aujourd'hui. Le diable est là. Faites vraiment attention. Mes frères et sœurs, si on t'a pas parlé de ça, Gadi, on ne m'a pas parlé. Si on t'a pas prévenu du danger qui se cache sous tes consoles, ou même chez toi, que toi-même tu fais entrer dans ta vie, dans ta maison, j'ai dit, on m'en a pas parlé. Moi aujourd'hui, là, j'ai l'information. Moi aujourd'hui, tu sais tout aujourd'hui. Tu sais tout et tout. Si tu n'es pas informé, aujourd'hui, nous allons tout te dire. Mes frères et sœurs. La fille là, elle est décédée. Et son message est bien passé. Mais elle est décédée, c'est fini. La vie n'est pas un jeu vidéo. Et les humains ne doivent pas mourir comme ça, pour rien. Non. Évitons beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Évitons les choses qui vont nous conduire vers les problèmes. Évitons toutes ces histoires. Évitons gravement toutes ces histoires. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, faites attention à votre vie. Faites vraiment attention.
à votre vie. Je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur l'abonné, cliquez sur la cloche de la télé. Et en cliquant sur notre bon sur cette vidéo, vous pouvez avoir accès à notre page d'accueil où vous allez tout simplement voir Nuance Rebond 2 et Nuance Rebond 3. Là, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Parce que là, ça devient extraordinaire. Abonnez-vous là-bas, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Franchement, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Nous espérons également que vous avez aimé ce type de contenu. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et soyez prêts. Ça ne sera pas facile pour vous de vous débarrasser de toutes ces choses. Mais si cette dame continue au paradis, vous devez le faire. Pour terminer, nous allons vous dire quelque chose. Nous avons reçu un témoignage puissant. C'était une femme. Cette femme-là a une vision. Et une vision de l'enlèvement. Vous savez ce qu'on appelle une vision de l'enlèvement? C'est cette partie-là où on dit que Jésus revient. Et quand Jésus revient, il va prendre les gens vont disparaître. Voilà, les voitures, si tu as une voiture, vous êtes deux, l'un va partir, l'autre va rester. Voilà, c'est ça l'enlèvement. Et quand ces choses-là arrivent, ce qui se passe est que, il y a des choses vraiment graves qui se passent autour. Et le diable, après tout pareil, il vient, il apparaît. Et elle, c'est ce qu'elle a vu. Elle a vu le diable. Là-bas, carrément. Il est venu, non, oh, qu'est-ce que tu veux, oh, c'est mon temps. Je suis venu faire mon show maintenant. Et quand le diable, quand elle a vu le diable, elle a vu également des gens qui sont restés. Et elle pouvait poser des questions à plusieurs personnes sur qu'est-ce qui les a empêchés d'aller au ciel. Et à ce temps qu'on dit, oh, ma soeur, tu es jolie. Ce qui nous a laissé, ce qui a fait que nous sommes restés ici, c'est Internet. Le premier qui a dit, c'est Internet. Ah! Pourquoi Internet va-t-il t'empêcher d'aller au paradis? Il dit non. C'est à cause de ce que je faisais sur Internet. Quand toi, tu vas sur Internet, là, peut-être tu vas pour faire des recherches sur des choses importantes. Mais nous, quand on va sur Internet, c'est pour faire des choses qui ne sont pas des choses qu'on a à faire. On va pour se présenter sous forme d'une autre personne. C'est-à-dire, si je suis un garçon, un homme, je me fais passer pour une femme. Et je suis là sur Internet. Et tu peux me voir. Et à ce moment-là, quand tu vas me voir, toi aussi, tu vas penser que tu as une garçon, tu as une femme. Elle est jolie. Or, derrière, c'est moi, je suis un homme. Et c'est ce que nous faisions. Pour escroquer les gens. Ah, donc c'est ce que tu faisais pour escroquer les gens, c'est pourquoi tu es resté si tu n'es pas allé au ciel. Il dit oui, effectivement c'est ce que je faisais. La deuxième personne m'a dit qu'elle passait son temps à jouer aux jeux vidéo. Elle dit mais comment un jeu vidéo peut t'empêcher d'aller au paradis? Il dit c'est pas, je jouais pas à n'importe quel jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qu'il ne faut pas jouer. Par exemple, imaginez-vous, vous-même, vous êtes en train de jouer un jeu vidéo ou dans le jeu vidéo, on peut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Oui. Et puis, pendant que vous êtes en train de jouer là, imaginez, pendant que vous êtes en train de jouer, Jésus revient. Et dès que le Seigneur Jésus-Christ revient, sauf qu'il peut. Les gens vont commencer à disparaître, les gens vont commencer à partir. Et vous, puisque vous êtes en train de pécher en regardant les personnes qui sont en train de faire la chose, avoir le sexe, l'Esprit de Dieu ne sera même pas avec vous. Il a dit qu'en ce moment, vous serez dans une position de péché. Donc en ce moment-là, qu'est-ce que vous allez dire? Que ce jeu-là vous empêche d'aller au paradis. Ou ça vous empêche de rencontrer Dieu. C'est pourquoi on vous dit que mes frères et sœurs, faites attention. Faites attention. Faites attention. Un jour, un homme disait, tout ce qui se trouve sur la terre est spirituel. Cette personne disait,
tout ce qui se trouve sur la terre est spirituel. Même quand, avant de manger, il faut prier. Ça, des fois, invoquer le bon esprit à venir. Parce qu'il y a des mauvais esprits qui sont là. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yanskoupa. Attention, c'est vidéo, c'est tous. Abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, attention, c'est vidéo, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don, vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Waouh!